Numéro 1. Numéro 2, c'est... Un autre truc, quatrième truc. Numéro 5. Petit chauffage de pneus. C'est vrai que la Floride, c'était pas pour tout le monde. C'est un peu particulier comme endroit. Je vais vous faire une petite liste des 5 trucs qui font que j'aime la Floride. Numéro 1. En Floride, on a le droit de pas avoir de plaque d'immatriculation à l'avant de sa voiture. Et franchement, pas avoir une plaque à l'avant, ça change tout. Je vais essayer de vous montrer quelques exemples de voitures. Une voiture pour laquelle c'est vraiment une bonne chose qu'il n'y ait pas de plaque à l'avant. Numéro 2, c'est les voitures qui sont top en Floride. On peut trouver garé dans la rue n'importe où, des caisses comme ça. Ça n'est jamais qu'une petite Lamborghini SVJ. Mais en plus de ça, ici, on peut customiser sa voiture comme on veut. Il n'y a pas l'air d'avoir de règles. Si on veut, on peut la mettre sur des échasses de 12 mètres. Il n'y a pas de problème, c'est légal. Ça peut faire du bruit, ça peut faire de la fumée, ça peut faire ce qu'on veut. Un truc comme ça, à mon avis, en France, à Paris, tu te fais arrêter vite fait. Et non seulement ça, mais en plus... Il y a toujours de bagnoles, on peut trouver un Urus à côté d'un pick-up truck quoi. Bon, c'est pas n'importe quel pick-up, mais il y a quand même une scène automobile assez variée, comme on voit nulle part ailleurs, mais vraiment très variée quoi. Je fais 1m82. Et c'est sans parler du prix de l'essence qui est aux environs de 1€ le litre. Donc je peux vous dire que quand on consomme 20 litres au 100, ça fait une petite différence quoi. C'est cette liberté au niveau des voitures qui manque beaucoup, je trouve, en France. Peut-être même en Europe, en règle générale, je ne connais pas très bien. Mais le fait qu'on puisse customiser sa voiture exactement comme on veut ici, même si c'est too much, même si c'est moche, même si c'est bizarre, c'est pas la question. On peut le faire. J'aurais pu aussi mentionner un autre truc super qu'on peut faire ici, c'est qu'on peut avoir un détecteur de radar dans sa voiture. Et non seulement on peut avoir un détecteur de radar, mais on peut également avoir un jammer de laser. Je sais, j'en avais un dans ma voiture ici. Qu'est-ce que c'est un jammer de laser? C'est un dispositif qui se met dans le pare-choc avant et arrière de la voiture et qui envoie en permanence des ondes qui fait que même si un policier avec des jumelles ou un laser essaie de viser ta voiture pour savoir à quelle vitesse tu vas, les ondes brouillent son signal et il ne peut pas savoir à quelle vitesse tu vas. Et ça, c'est légal ici en Floride. Donc parmi tous les points qui font que j'aime beaucoup cet endroit aux États-Unis, vraiment le point voiture, pour moi, hein, qui suis un fou de voiture, c'est vraiment le truc numéro 1. Il y a vraiment une culture automobile démentielle. Et même les constructeurs automobiles sont un peu fous eux-mêmes. Ça veut dire, quand tu vois comment Ford et Dodge se font un petit peu la petite guéguerre, mais de manière sympa. De manière sympa et encore plus sympa pour les acheteurs. Par exemple, Ford sort son Raptor, et ben Dodge s'amuse à sortir un T-Rex avec une image à l'intérieur de son pick-up T-Rex d'un Tyrannosaurus Rex qui mange un Velociraptor. Genre un petit clin d'œil, on mange Ford quoi, tu vois, c'est un état d'esprit tellement, enfin pour un Français, moi qui me paraît tellement bizarre, tellement fou, mais en même temps tellement marrant que vraiment j'adore ça. Il y a vraiment un état d'esprit qui est différent ici sur les bagnoles. Je vous donne un exemple. Lorsque je vivais ici, j'avais 18 ans. Donc ça date, hein, ça fait plus de 18 ans. Un jour, j'étais dans une boulangerie, ici, en Floride. Et il y a un mec qui se gare devant avec la toute nouvelle M5. À l'époque, c'était celle avec le V10. Il se gare devant. Elle venait de sortir à l'époque, toute neuve. Et je lui dis, waouh, nice car, belle voiture. Trop sympa. Moi à l'époque j'avais une petite Mustang. Ici la Mustang c'est un peu la Clio, tu vois. Ça, elle m'avait coûté 15 000 balles. C'était une voiture d'étudiant pas extraordinaire. Je lui dis, vraiment trop belle ta voiture, waouh, j'étais fou. Et le mec il me dit, c'est vrai, merci, ça me fait plaisir. Bah tiens, il me donne des clés, il me fait, si tu veux, va faire un petit tour avec le temps que je mange. Je lui dis, ah ? Je lui dis, t'es sûr de ce que tu viens de dire là? Parce que tu veux pas me le dire deux fois, hein. je vais y aller. Hein. Il me fait, ouais, vas-y. J'ai pris sa M5 neuve et j'ai été faire un tour. Et c'est, enfin, je comprends pas.
Et c'est comme hier, lorsque j'ai été chez mon ami Aldo. Et qui m'a laissé conduire des bagnoles qui valent plus cher que mon appartement à Paris, quoi. C'est vraiment la culture de la voiture. Alors il y a sûrement des gens comme ça en France, mais ils sont beaucoup plus rares. Et puis c'est mal vu d'avoir une belle voiture en France. C'est à moins que tu sois un fou de voiture toi aussi, pour le commun des mortels, c'est mal vu, tu vois. Comment t'oses avoir une voiture aussi chère? Ici c'est pas vu comme ça. Ici c'est mon jouet. Toi aussi t'aimes ce jouet, vas-y, je te le prête. How do you feel? Un autre truc que j'apprécie tout particulièrement en Floride, c'est les animaux, la nature en règle générale. Alors vous allez me dire, oui, des animaux, on peut en trouver de partout, il y en a aussi en France. C'est vrai. Mais est-ce qu'on peut trouver des alligators, des crocodiles, des iguanes, des lézards de partout? Et surtout, est-ce qu'on peut s'en approcher aussi facilement? Là, par exemple, je suis à un endroit où les gens viennent pêcher, où ils peuvent aussi descendre leur bateau ici. Là, aujourd'hui, il fait pas très beau, donc on voit pas très bien à travers l'eau. Mais c'est rempli d'alligators, le truc. Rempli. L'année dernière, je suis venu ici avec un ami, je vais vous montrer les images. On peut voir les alligators qui nagent librement ici. Et en fait, on peut... Enfin, rien n'empêche en plus, les alligators de sortir de l'eau, puisqu'ils sont dans l'eau, et puis voilà. Bon, après, ils n'ont nulle part où aller, parce qu'on est au milieu des Everglades, donc il n'y a rien. Donc je trouve ça assez ouf, cette proximité par rapport à une nature qui paraît, en tout cas, encore une fois, quand on est français, encore plus quand on est parisien, je sais, qui paraît tellement sauvage et hostile, ça fait un peu Australie, quoi. En Australie, ok, tu t'attends à ce que tu partages ta vie avec des crocodiles quand tu vas à la plage. Mais aux États-Unis, ça paraît moins évident. Et donc ici, la nature est vraiment omniprésente. Il y a eu des histoires de gens qui se sont retrouvés avec des alligators dans leur piscine, dans leur villa, tout ça. Il y a des parcs de partout. Si tu as envie d'aller voir comment on nourrit des crocodiles ou des alligators, bah tu peux y aller. J'ai été le faire l'année dernière avec la petite. Elle a bien aimé. Elle a pu même jeter des petites friandises aux crocodiles et aux alligators. Et je trouve ça assez fou. Ce qu'on trouve en Floride comme espèce sauvage. On trouve même la panthère de Floride. Il y a un truc entre un gros chat et une petite panthère. C'est ce côté sauvage, mais qui est en même temps mélangé avec la civilisation. Si j'ai aussi envie, je vais à côté me prendre un burger et je vais me baigner et je peux aller dans un centre commercial climatisé m'acheter une paire de baskets. Et puis si j'ai envie, je prends ma canne à pêche et je vais dans l'étang aux alligators pêcher un coup, quoi. C'est ce côté-là que j'aime bien en Floride. On peut très bien vivre à la nature comme ça dans plein d'autres endroits, notamment en France. Mais le petit côté, oui, mais la nature peut me tuer à n'importe quelle seconde. Il y a ce petit plus que je trouve sympathique ici en Floride. Quand tu penses que t'es là tranquille et que juste là, t'as une eau infestée d'alligators, je trouve ça assez fou. Et ce qui est encore plus fou, c'est que j'y suis venu avec la 911, la Porsche Turbo depuis Paris, jusqu'ici. Le fait de me dire que je suis venu avec une voiture qui est normalement localisée à Paris, tremper mes pneus, si je puis dire, dans une eau infestée d'alligators en Floride, je trouve ça assez cool. Mais encore une fois, je suis un peu bizarre. Quatrième truc que j'apprécie particulièrement en Floride, c'est la bouffe. Plusieurs aspects de la bouffe. Alors évidemment, on mange bien mieux en France, niveau qualité. Peut-être même mieux que partout ailleurs. Premièrement, les fast-food. Quand on aime bien la junk food, alors évidemment, il ne faut pas en manger tous les jours si on ne veut pas mourir à 40 ans d'une crise cardiaque. Mais quand on aime bien la junk food, et pour reconnaître qu'on aime tous un peu la junk food de temps en temps, il y a un choix assez incroyable. Notamment le Taco Bell qu'on trouve pas en France. Je crois qu'on peut le trouver en Espagne parfois. Mais ici, il y a plein d'enseignes qu'on trouve et qu'on trouve pas ailleurs. Notamment, je sais pas, le Wendy's, le Popeye, des trucs comme ça des trucs comme ça de junk food qu'on trouve pas ailleurs. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, il y a évidemment les portions qu'on sert dans les restaurants normaux qui sont pas junk food, qui sont
énormissime, on a pu le voir la dernière fois quand j'étais au Cheesecake Factory. Un plat de pâtes à la sauce tomate toute bête. Ouais, 1700 calories de plat de pâtes. Bon, alors des fettuccini Alfredo, 2000 calories. Tous les plats étaient autour de 2000 calories. La manière avec laquelle tu peux customiser aussi ta commande est incroyable. Tu peux choisir tellement de choses. J'ai mis plus de fromage, j'ai mis du poulet au lieu du bœuf, j'ai mis plus de crème fraîche. C'est infini à quel point tu peux customiser tes trucs. Quoi. Et bien sûr, comme dans tous les trucs de junk food ici, on peut se servir autant qu'on veut à boire du liquide bien sucré. Hop, troisième verre que je me sers. Évidemment, j'aurais aussi pu parler de la mer. La mer, elle est très sympa en Floride. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la plupart des gens viennent passer leurs vacances en Floride, c'est pour aller à la mer. Mais bon, on peut la trouver partout, la mer. C'est à part en Suisse, au Luxembourg, au Vatican, à Andorre, au Tibet. Si vous avez d'autres pays enclavés, numéro 5, c'est le climat en Floride. Et quand je parle du climat, je parle pas du tout du beau temps et de la mer et tout ça. Non. Alors c'est vrai que la mer, on peut s'y baigner toute l'année, c'est sympa. Mais je parle plutôt du climat tropical, celui qui cause des orages apocalyptiques, des ouragans, des tornades, ce genre de trucs. T'as l'impression qu'il fait beau, mais en fait, c'est la fin du monde. Entrer dans le déluge. En direct. C'est quand même chouette ça. Allez, ciao ciao.